Christopher. Pas de place ici. Ok, soyons honnêtes. Tu es venu pour le speed dating? Oui. Écoute. Ce qui compte ici, c'est la façon dont tu parles. Les gens discutent entre eux ici. Ouais. Et si ça te prend une journée de dire ton nom, tu n'as vraiment rien à faire ici. Mais c'est de la discrimination. Pour la dernière fois, nous n'avons plus de siège. Salut. Louise Brown. Ah oui. S'il vous plaît. Merci. Bonne soirée. Oui, je... Bonne soirée. Je veux me plaindre un peu de votre employé. Patricia. Excusez-moi un instant. Hé hey, vous... À qui tu parlais? J'ai juste appelé la hotline. Je voulais juste partir gentiment. Ok. Mais souviens-toi, les gens comme toi n'ont rien à faire ici. C'est à moi de décider. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Bonne soirée. Merci. Les règles sont assez simples. Vous prenez place au son de la cloche. Et vous aurez 2 minutes pour discuter. Après chaque conversation, vous écrivez le nom de la personne, vous mettez un plus ou un moins à côté, un match et votre ticket pour continuer la soirée. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas à un entretien, vous êtes à un date. Alors, commençons. Mesdames, salut. Comment tu t'appelles? Christopher. Ciao. Salut. Salut. Tu pourrais penser, qu'est-ce qu'une jolie fille comme moi fait ici? Tu ne le croirais pas. Ma cousine, Mika, avait l'habitude de sortir avec ce gars, Mickey. Mais il est venu lui demander de l'argent et a dit que c'était la faute de son frère jumeau. Fantastique. Puis elle est venue ici à la fête et il était là. Raphaël, beau gosse, comme dans une série télé brésilienne. Tu n'es pas beau. Ne pense pas que je me soucie de l'apparence ou de l'argent, même si, bien sûr, c'est important. Je m'appelle Barbara, au fait. Christopher. 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 Tu peux mettre un moins tout de suite. Je bégaye. Je
Et j'ai un fils. Simon. Oh. On dirait que je peux rivaliser avec toi. Sur la quantité de moins. Ouais. Ouais. Donna Stone. Christopher. Robert. Alors, que fais-tu, Donna Stone? Bon, eh bien, je suis entraîneur de football. C'est vrai? Quoi? Tu ne crois pas qu'une fille puisse jouer au football professionnel? Non. Bien sûr que non. C'est pas ce que je voulais dire. Ça va. Je ne suis pas la police du sexisme. Ah oui. Puisque c'est le cas, je veux faire une confession. Ok. Je suis ce genre de fan enragé qui jure sur la télé tout le temps. Très embarrassant. C'est bon. Je vais te dire un secret. Ah oui. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christopher? Eh bien, je... On dirait que je dois partir. Ouais. Donna, oui. Merci. Ces deux minutes ont été les meilleures de ma soirée. Ouais, merci à toi aussi. Salut, mon nom est Dina. Salut. Oh, salut, ouais. Vraiment? Ouais. Et tu n'es pas allé au bal de fin d'année? Oh non. Et pourtant, j'avais un rendez-vous. Oh. Ouais. Avec qui? Ma mère. Oh non. Oh, en fait, elle voulait tellement y aller qu'elle a même loué une limousine. C'est vrai. J'espère que mon fils m'invitera à son bal de promo. Ouais. Je serai une de ces mamans, tu sais, dans la Porsche, avec la bouteille de vin cachée. Oh non. Oh oui. Non. Si. J'aurais aimé qu'on ait été dans la même école. Je suis sûr que tu aurais gagné mon cœur. Et je suis sérieux. Ça va probablement te sembler stupide, mais... j'ai toujours voulu être pour quelqu'un l'amour de sa vie. Est-ce que tu crois en l'amour? Oui. Et je le ressens d'ailleurs. Je ne peux pas croire que c'est toi. Moi? Tu as promis que tu me rappellerais. Tu disais que j'ai gagné ton cœur. Et je l'ai cru. Je désolé. C'est la première fois que je vous vois. Je vous assure que c'est une erreur. Donc notre nuit était juste une erreur? Et c'est pour ça que tu ne m'as pas rappelé? Monsieur, vous devez quitter la fête. Ce n'est pas un endroit pour des scandales. Comme je l'ai dit, vous n'avez rien à faire ici. Attendez, je comprends pas. Si, c'est mieux que... Pourquoi? Si. Quand on s'est rencontrés, je suis allée aux toilettes et j'ai vu une scène assez inhabituelle. Donne-moi de l'émotion, genre... plus d'émotion, plus. Comme si tu étais en colère. Tu es très en colère. Ok, écoute. On doit faire honte à ce sale type de Christopher.
ou tu veux qu'on ait un tas de critiques négatives? Non. Non, 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 non. Sinon, on va perdre nos emplois. Tu peux me gifler. Gifle-moi. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, encore une fois. Ok, out. Je sais ce qui se passe ici. C'est de la discrimination. Je peux pas le croire. Mais Moi, je suis aussi normal que toi. Et je mérite le respect, l'amour et une relation. C'est ce qui est important, c'est ce que tu dis. Mais pas la façon de le dire. Et c'est mieux d'exprimer de l'amour doucement que de la haine rapidement. Super. Tu penses que tu vas me faire peur avec tes petites discussions insensées sur les droits des crétins comme toi? Chris. Les gens comme toi ne devraient pas venir à ce genre de fête. Les gens comme toi ne devraient pas sortir du tout. Non. Pour avoir des enfants tout aussi inférieurs. Alors, bon débarras. J'ai appelé la hotline. Je suppose que ton directeur a quelque chose à dire. S'il te plaît, prends-le. Monsieur? Non, ce n'est pas ce que vous... C'est une... erreur. Est-ce que tu es en train de bégayer? Non, non. Eh bien, peut-être que quand je suis nerveuse... Maintenant, tout fait sens! Tu détestes les bégaiements parce que tu peux pas t'accepter. Ouais! Mais crois-moi, la partie abusive et méprisante de ta personnalité est bien pire. Les personnes qui bégaient sont aussi... toutes bonnes personnes, bien plus heureux, plus prospères que les gens pourris. Donna, je te propose de continuer la soirée dans mon restaurant. Dans ton restaurant? Ouais. Les personnes qui bégaient peuvent aussi être millionnaires. Ok. Loser. Les gars. Non. La fête...